J'y serai bientôt. Nous aurions dû tuer le traître quand nous en avons eu l'occasion. Ah, Excellence. Vous avez collaboré avec Malgus le traître. Avez-vous pu sentir ses faiblesses? Il pense avoir déjà gagné, mais son arrogance causera sa perte. Vous avez raison, Excellence. J'ai perdu des années de ma vie au service de Malgus. Il m'a même offert de participer à sa trahison. Bien sûr, j'ai refusé, mais j'aurais dû lui cracher au visage. Un véritable impérial aurait éliminé le traître sur le champ. Quoi qu'il en soit, ce chien a volé la station spatiale furtive de l'Empereur et s'est enfui dans l'espace. Grand Moff, les forces de Dark Malgus envahissent la planète. Ces vaisseaux sont sortis de nulle part et ces soldats nous submergent. Alertez l'armée! Appelez les renforts! Ce misérable lâche n'humiliera pas l'Empire une fois de plus. Si Malgus a amené un chasseur furtif ici, l'Empire s'en emparera. Bonne idée. L'ordinateur de bord d'un chasseur de commandement de l'armada de Malgus nous fournira les coordonnées de la station. Enfin, le traître a fait un faux pas. Voler l'un de ses vaisseaux et il nous mènera droit à la station spatiale cachée de Malgus. Trouvez un pilote. Je m'occupe du vaisseau. Ce serait un honneur pour moi de vous mener à la bataille contre le traître. J'espère que vous êtes prêt à donner une leçon à Dark Malgus. Ce sera un plaisir immense de punir ce traître. Alors c'est réglé. Le général Esker vous aidera à prendre un chasseur furtif et vous mènera à la station de Malgus. Je vais de ce pas préparer mon vaisseau. Esker vous déposera sur la ligne de front. Vous devrez vous frayer un chemin à travers l'armée de Malgus pour voler un vaisseau dans son fort. Menez la défense impériale, Excellence. Et si vous rencontrez le leader de cette invasion, détruisez-le. L'Empire est un symbole de puissance, de respect et de pureté. Dark Malgus ne doit pas corrompre cette image. Donnez-en l'ordre, et nous ouvrirons le feu sur l'armée d'invasion de ce traître. Je veux être absolument sûr de notre plan pour nous emparer du chasseur furtif. Les vaisseaux sont entreposés à Fort Barrow, la base blindée de Malgus. Le seul moyen d'y entrer, c'est en traversant l'armée du traître. Une fois le champ de bataille franchi, je vous déposerai dans les tranchées. Ensuite, je fournirai un appui aérien. Allez au combat. Malgus, le traître, va de nouveau craindre l'Empire. Détruisez l'armée du traître. Je vous couvrirai depuis le ciel. Les tranchées ressemblent à un stand de tir alien vu d'ici. Ils sont fous de soutenir Malgus. Come on.
Rinazel, fais honneur à l'empereur Malgus. Je suis le chef Velasugrej, unificateur des tribus Kalish et fléau de l'Ancien Empire. Quel trophée vais-je garder de vous? Une oreille? Vos armes? Malgus me récompensera pour votre mort. Malgus, je vous ai déshonoré. Thank you.
bon. Impossible de traverser les boucliers. Désactivez les générateurs et nous ferons de sérieux dégâts. Bon travail. Les boucliers sont désactivés. Bombardement à mon commandement. Cible verrouillée. Missile lancé. J'avais prédit votre arrivée, Excellence. Bienvenue. Le sang des Impériaux souille la terre d'Illum. En ce moment, l'armée de Malgus ne fait qu'une bouchée de vos hommes. Désolé, je me suis vu obligé d'abattre votre escadron d'attaque. Ces sales pestes ont eu le culot de bombarder ma base. J'espère que vous n'étiez pas proche. En plus de l'Empire, vous trahissez tous vos ancêtres, fumier. Je n'en ai pas honte. La galaxie évolue, et j'ai trouvé ma place au sein du Nouvel Empire. Il cherche votre chasseur furtif. Merci, très cher. Talsako est une mystique Vos. Bientôt, elle aura la vision d'une planète Vos épanouie, avec l'Empereur Malgus au pouvoir. Et tous les Vos nous rejoindront. Quelle perte de temps. Finissons-en. Allez, Talsako. Il est temps de débarrasser l'Empire de ses déchets. Je vous observe. Je présente mes respects au vainqueur. Dans ce cas, je vais réaliser votre prédiction pour la gloire du Nouvel Empire. Talsako! Regarde-moi détruire la vermine de l'Empire. Bravo.
vous serez mort, les Vos se joindront à nous. Ainsi n'offre guère de bain de sang. Cela m'a manqué. À nous maintenant. L'ami des Vos. Il n'est plus. J'aurais préféré que ce soit vous. Ici Esker. Je répète, ici le général Esker. Vous me recevez? Je vois mal comment Cerevine aurait pu descendre le meilleur pilote de la garde impériale. Merci pour cette preuve de confiance. Informez le Grand Moff que Dark Cerevine est mort et que l'Empire a récupéré son vaisseau furtif. Excellent. Les forces impériales sont occupées à sécuriser le fort. On a trouvé des survivants. Je les liquide. Épargnez-nous, et mon peuple rejoindra l'Empire. Emprisonnez les partisans de Malgus. Ils verront que l'Empire sait faire preuve de clémence. Comme vous voudrez. Ma famille rejoint l'Empire. Le grand Moff Regus prépare déjà notre prochain assaut. Récupérez le chasseur furtif, et préparez-vous à liquider cet empereur de pacotille. Temps de vous revoir, Excellence. Esker vante vos performances. Ce traître de Cerevine méritait de mourir. La Vos l'a rendu faible. Grâce à vous, nous avons obtenu son chasseur furtif et les coordonnées de la station furtive de Malgus. Le général Esker prépare le vaisseau pour votre assaut final. Cerevine a abattu le général en vol. Est-ce qu'il sera en mesure de piloter? Il a quelques contusions, mais Esker est inébranlable.
Rien ne l'empêchera de se battre. Mais vous ne pouvez pas encore partir. Quelques instants après la défaite de Dark Serevin, nous avons reçu ce message du traître. Félicitations, Régus. Votre serviteur a gagné Illum. Cependant, la victoire vous échappe encore. Je me suis emparé de la fonderie. Quand ces droïdes auront assemblé mon armada furtive, je balayerai ce qui reste de votre empire en un seul coup. Le Moff Fenir et moi avons récupéré la fonderie pour l'Empire, et ce traître la retourne contre nous. Nous payons la supercherie de Malgus. Le chasseur furtif que vous avez volé est prêt. Nous l'avons équipé d'un émetteur. Notre flotte suivra votre signal pendant que le général Esker vous mènera à la station du traître. Une fois que vous serez à l'intérieur, nous attaquerons. Détruire Dark Barras vous a préparé à ce moment, Excellence. Ne décevez pas l'Empire maintenant. C'est un soulagement de vous revoir, Excellence. J'ai effectué un vol d'essai avec le chasseur furtif et testé intégralement ses systèmes. Nous pouvons partir pour la station de Malgus dès que vous le souhaitez. J'ai un mauvais pressentiment. N'ayez aucun doute. L'Empire vaincra. Maintenant, préparez-vous. Nous allons éliminer un empereur factice. Bienvenue au cœur de notre nouvel empire. Je suis Arkis Vod, ingénieur, architecte, artiste. Battez-vous pour Dark Malgus, et mes créations technologiques se battront pour vous. Avec ce qu'il faut de technologie, l'impossible devient possible. Nous pouvons nous déplacer plus vite que la lumière, construire toute une flotte en quelques semaines, et rendre le visible invisible. Alors regardez mes ingénieurs réaliser des prouesses qui font passer la force pour un jeu d'enfant. Et n'oubliez pas que tout est possible. Les Trondochans sont des guerriers redoutables et loyaux. Les membres bornés du Conseil Noir ont eu tort de les ignorer. Thank you.
Ces vaisseaux changeront la galaxie de leurs ailes invisibles. Une telle grandeur ne pouvait être atteinte qu'en alliant l'ingénierie anomide à la fonderie. Quelques améliorations et les droïdes de la fonderie pourront construire des escadrons furtifs avec les cristaux d'Adega en un rien de temps. Dark Malgus a uni nos technologies, comme nous unirons la galaxie. Je ne peux pas vous aider. Je suis collé par des chasseurs. Cherchez des tourelles qu'on puisse retourner contre cette vermine. L'empereur Malgus vous salue. Sans doute remarqué nos récentes améliorations. Des turbolasers améliorés ont remplacé les tourelles d'ancienne génération. Et nos canons à fusion peuvent désintégrer des bâtiments de ligne en un seul coup. Mais nous avons surtout installé une technologie furtive de pointe. Cette station est parfaitement invisible. Depuis le ciel, notre empire unira la galaxie. Et Dark Malgus siégera sur son trône. La flotte impériale est arrivée. Vous êtes dans le noyau énergétique, le centre névralgique de cette station. Mon domaine. Si vous ne faites pas partie du collectif du schisme, faites demi-tour. Vous n'avez rien à faire ici. Regardez autour de vous. La puissance de cette station témoigne du génie technologique des Anomides. L'ancien empire les a reniés. Wow.
j'ai encouragé et appuyé leur savoir-faire. Par conséquent, de la cohérence et la puissance. Ces chasseurs furtifs sont trop nombreux. J'en ai abattu des dizaines, mais ils continuent à affluer. Vous devriez apprécier ça, Excellence. Quelle puissance! D'un seul geste, nos canons à fusion sont capables de désintégrer un bâtiment de ligne impériale. Le collectif du schisme a fait de cette station de combat la plus grande merveille technologique de la galaxie. Même votre flotte tout entière ne peut rien contre nous. La flotte impériale va écraser cette station de combat, mais d'abord, votre gorge. Roscoe ! À l'aide ! Interjection. Silence, tas de viande. Pas un geste, Sith. La force ne peut pas fausser mon système de visée. Le premier tir vous immobilisera. Le second répandra vos composants visqueux sur le sol. J'aurais dû me douter que Malgus te reconstruirait après que je t'ai détruit dans la fonderie. Mauvais souvenir. Une faille dans mon protocole d'assassinat vous a permis de gagner. Grâce à mes améliorations, l'erreur ne se reproduira pas. Armes activées, protocole d'assassinat engagé. J'attends ça depuis longtemps. Préparez-vous à mourir. Maître Vod en perfection.
Dommages critiques, défaillance des systèmes. Renfort ! Répondez ! À l'aide ! Oh. Pitié ! Tout ce que j'ai dit, et H4, ce n'était qu'un malentendu. Ne me tuez pas. Sabotez l'armada furtive, et l'Empire fermera les yeux sur vos crimes. Mais ça va prendre des heures. D'accord. Je vais surcharger les générateurs de la fonderie. Les répercussions sur le hangar seront dramatiques. Je vais également braquer nos canons à fusion sur l'armada furtive. Tout ce qu'il faudra pour protéger nos capsules de sauvetage. Et la flotte impériale, bien sûr. Formidable. La station a ouvert le feu sur l'armada furtive. J'imagine que c'est grâce à vous. Vous osez m'affronter seul. C'est courageux et stupide. La furie de l'Empereur, content que nous nous retrouvions ici. L'Empereur a eu la gentillesse de garder son trône au chaud pour moi. Bienvenue dans la salle de mon trône. Une si longue histoire, tant de jours glorieux qui nous ont échappé. L'Empereur est mort. Vive le nouvel Empereur. Je respecte votre détermination, Malgus, mais pas votre prise de pouvoir. Vous n'êtes pas aussi stupide que vous en avez l'air. L'Empire faiblit. Bientôt, sa décadence et ses idéaux surannés causeront sa perte. Mais vous, vous vous battez pour l'empêcher de guérir. Vous ne le voyez donc pas. Notre survie exige un nouvel empire, renforcé par la tolérance et des ententes aliens. Je connais les faiblesses de l'Empire. Nous devons changer pour survivre, mais vos méthodes ne sont pas bonnes. Vous avez du bon sens, mais aussi beaucoup à apprendre. Mon armada furtive détruira votre flotte, et moi, je vous détruirai. Alerte. Explosion critique détectée à la fonderie. Générateur suralimenté manuellement par l'utilisateur Arkis Vod. Assez. Alerte. Suralimentation du noyau énergétique. Autodestruction engagée. Vous allez vraiment en arriver là ? La perte de cette station est insignifiante, si elle permet d'initier le changement de l'Empire. L'explosion balayera votre flotte. Moi seul, et la possibilité de stopper le cycle de destruction. Mourez, ou tuez-moi. Dans les deux cas, l'Empire renaîtra. Pour le nouvel Empire. Que le grand Moff m'appelle Malgus le traître. Ma supercherie aurait-elle heurté les sensibilités?
assez joué. Depuis le pillage de Coruscant. Furie de l'Empereur. Impressionnant, mais ça ne suffira pas. Tuer sur Ilum quand j'en ai eu l'occasion. Et avec elle, l'ancien empire. Ainsi fut détrôné le faux empereur. Je ne vous laisserai pas mourir avec Malgus. Défaillance des systèmes secondaires. Niveau du noyau énergétique critique. Attention. Rayon de l'explosion estimé entre 1,9 et 2 km. Distance minimale de sécurité, 2,4 km. C'est un honneur. Votre performance a beaucoup impressionné le Conseil Noir. Malgus le traître est mort. Vous avez détruit le faux empereur. C'est la routine. Vous êtes trop modeste. Général Esker, une fois de plus, vous avez brillamment servi l'Empire. Des nouvelles du champ de bataille?
Notre flotte a subi quelques pertes, mais les survivants ont échappé à l'explosion de la station. Le service de récupération fouille déjà les débris. Parfait. Contrairement à ce que disait Malgus, l'Empire est plus fort que jamais. Pendant ce temps, le troupeau de ce traître fuit les décombres en flammes de sa révolution hérétique. La puissance de l'Empire s'amenuise. Nous devrions peut-être adopter certains idéaux du traître pour survivre. Le Conseil Noir a pris note des idées du traître. Nous en discuterons ailleurs. Nous étions dans une situation critique. Les services secrets dissous. Beaucoup de membres du Conseil Noir tués et les enfants de l'Empereur vaincus. Mais une nouvelle ère est en marche. Nos forces se rallient déjà avec la mort de Dark Malgus. La puissance de l'Empire afflue, Excellence. Pour les Sith et tous nos citoyens, nous régnerons une fois de plus sur la galaxie.